Bonjour à toutes et à tous et à toutes aussi. Je voulais faire cette vidéo pour le retour des lectures de Poupée de chiffon de Cétraud. Alors, je vous présente l'ouvrage. Alors, par où commencer? C'est très très difficile de parler de ce livre sans frissonner et sans spoiler. Alors c'est vraiment une lecture un petit peu, un peu atypique, c'est un thriller vraiment spécial que je souhaite vous présenter du coup. Je vais d'abord vous lire la quatrième de couverture pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Séquestré, abusé, anéanti. Amina ne connaît pas le répit et sa vie n'est plus que ténèbres. Jusqu'à cette étincelle, parcelle d'un espoir encore fragile, qui rallume en elle tant de sentiments oubliés, tant de forces endormies. Saura-t-elle s'en saisir, la nourrir pour illuminer son existence et briser enfin ces chaînes qui l'entravent? Je vous cache pas que c'est cette quatrième de couverture qui a orienté le choix de l'achat de ce livre. Livre donc, que je voulais acheter mais qui m'a été offert par Mille et un bouquins, donc qui est également une chroniqueuse de livres avec qui on a fait une lecture commune et qui m'a fait un retour également de ce livre que je vous donnerai son avis à la fin. Comme ça, on pourra un peu comparer nos points de vue par rapport à cette lecture. Alors, Poupée de chiffon de Cétraud, ça raconte donc l'histoire d'Amina. Une fillette, presque jeune femme, qui vit un enfer. Elle vit l'enfer sur terre, elle habite où est plutôt dans la maison d'Abel. Abel, cet homme qui pourrait être présenté comme son papa d'adoption. La séquestre dans sa chambre, la séquestre dans sa maison, la séquestre dans son petit univers. Amina, elle ne connaît de la vie extérieure que ce que laisse voir sa fenêtre. En dehors de sa petite chambre, elle ne connaît que la salle à manger d'Abel avec qui elle partage le repas. Elle ne connaît que cet escalier dont les marches craquent à chaque fois que quelqu'un lui rend visite. Elle ne connaît que l'extérieur dans sa toute petite périphérie. Et encore, elle n'y est jamais seule. Elle ne peut pas jouir de la liberté de ses mouvements. Abel est toujours, toujours sur ses gardes, toujours, toujours à la surveiller, à guetter ses réactions, à guetter ses actions. Voilà, c'est un univers vraiment particulier. Amina, elle n'a pour seule amie qu'une poupée de chiffon. Sa meilleure amie, sa confidente, celle qui l'aide à passer le temps et surtout à supporter les terribles sévices qu'elle subit régulièrement. Abel, il a une drôle de définition de l'amour. Abel, il n'est pas bien dans sa tête. Abel, il est fou. Un père horriblement détestable. Et pourtant, Amina, bah, c'est son seul repère. Comment Amina va pouvoir évoluer dans ce monde? Elle est brisée. Elle n'a pas eu d'enfance normale. Comment va-t-elle se saisir du peu de lumière qui anime encore son âme? Comment va-t-elle chasser la noirceur qui emplit les pièces de toute cette maison? Comment est-ce qu'elle peut encore supporter autant de tortures à la fois physiques et psychologiques? Clairement, on parle de quoi? Clairement, on parle de pédophilie. Dans ce livre, on s'effraie en lisant les passages
terriblement difficile de ce qu'elle subit, elle sert pour les expériences d'Abel. Ce n'est qu'un corps. Un corps dont il peut jouir et disposer à sa guise. Donc voilà, donc c'est un ouvrage vraiment glaçant. Alors ce qui est vraiment marrant, c'est que la plume, le style de Cétraud, elle est terriblement poétique. Et ça contraste tout à fait avec l'univers de ce livre qui est complètement sombre, glauque, sale, répugnant. Donc d'un côté, on a toutes ces belles tournures de phrases qui nous font voyager, et à chaque fois, on est rattrapé par cette noirceur, par cette horreur, par ce déchaînement de violence qu'on nous laisse à lire. Le contraste est vraiment saisissant. Donc, c'est trop, Poupée de chiffon, c'est l'histoire d'Amina, c'est sa vie, et ce sont ses espoirs brisés qu'on va suivre au travers de ses péripéties, au travers de ses pages. On va vraiment avoir peur pour elle, on va frissonner avec elle, on va se battre avec elle jusqu'à la fin. Toutes ces émotions, elles sont vraiment, elles sont bien présentes, elles sont vives, elles sont puissantes. Alors, mon avis de lecteur. Je crois que je vous l'ai déjà un petit peu distillé en vous faisant ce résumé très enflammé. Comme je le disais au début de la vidéo, comme l'auteur le dit, il est sorti de sa zone de confort en souhaitant écrire sur ce sujet un peu délicat, très malsain. Je suis également sorti de ma zone de confort en lisant son livre. Le sujet est extrêmement bien apporté et il est très bien abordé. Cétraud, il nous le présente, il nous présente cette thématique difficile, mais il n'en fait pas trop. Il ne part pas dans le dégueulasse pour faire du dégueulasse. Non, c'est bien construit. Donc déjà ça, j'ai aimé. J'ai aimé l'intrigue, j'ai aimé le déroulement de l'intrigue. J'ai aimé donc son style, j'ai aimé la construction de ses personnages, j'ai aimé me sentir comme... Là, je vais reprendre les mots de Mille et un bouquins. On a l'impression d'être dans un huis clos. On est observateur, on se fait petite souris dans la maison, on regarde la chambre, on descend les marches de l'escalier et on guette au coin de l'escalier, au coin du mur, on guette l'arrivée d'Abel, on regarde comment progresse Amina. Voilà. Donc on est vraiment immergé dans son univers et on le vit pleinement. On a vraiment l'impression d'être dans cette maison et de s'y promener. Et cette impression, elle va de pair avec ce sentiment d'enfermement. On se sent un peu oppressé, on se sent écrasé par le plafond, par les murs, on suffoque même dans cette atmosphère très malsaine, on suffoque entre ces murs. Alors quelque chose que j'ai particulièrement bien aimé chez cet auteur, enfin en tout cas dans ce livre-là en particulier, c'est à la fin. Cétraud nous réserve une petite surprise. Je ne préfère pas vous en parler dans cette vidéo parce que je ne voudrais pas la gâcher. C'est la première fois qu'une fin me surprend autant. Mais ça, vous verrez pourquoi. Il est impossible de rester sur sa fin. Et vous me comprendrez lorsque vous aurez lu ce livre. Alors, je ne peux pas en dire plus. Vous verrez, c'est l'avant-dernier chapitre et le dernier chapitre. Et je me suis réjoui de ce petit tour de passe-passe de Cétraud. C'était vraiment chouette. Voilà. Donc là, je coupe pour mon propre avis et mon résumé. Et je vais reprendre l'avis que m'a laissé Mille et un bouquins par rapport à ce livre. Emprunter le terme de huis clos à Mille et un bouquins, et elle emploie même le terme de huis clos glaçant. Donc sur ça, je suis tout à fait d'accord avec elle. Après, pour le reste, elle parle de l'évolution d'Amina. Et elle fait du coup ce parallèle
entre la poupée de chiffon et Amina. Amina, d'abord poupée de chiffon, qu'on peut voir du coup comme un petit être fragile qui se soumet à la volonté de la personne qui la possède, et finalement elle va se transformer, devenir une redevenir elle, devenir une petite fille combattante qui ne laissera pas le désespoir la vaincre, l'envahir, qui ne laissera pas l'horreur la mettre à mal. Voilà, donc je te rejoins sur ça, mais il est un bouquin. Par contre, concernant la petite surprise à la fin de son ouvrage, elle n'était pas du tout d'accord avec moi et aurait préféré que ses trop s'en tiennent à sa première version, on va dire. Après, c'est son point de vue, c'est un choix. Je vous laisserai vous faire le vôtre. Voilà, ce sera tout pour Poupée de chiffon de Cétro. Et j'espère que c'était pas trop long. Oh, ok, c'était nul. C'est pas grave. Je deviens fou, je suis fatigué avec le corona et tout. Je ne tiens plus, je ne tiens plus. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bien sûr, je vous invite à commander de toute urgence Poupée de chiffon de Cétro ou lui demander directement un livre dédicacé, ça lui fera plaisir, sur Cétro-la page. Il a un site officiel également qui est vous savez quoi? Recherchez-le, hein. Ça vous fera un peu les pieds. Mais de toute façon, vous n'avez rien d'autre à faire, vous êtes en confinement. Donc, recherchez sa page, vraiment lisez-le, ça va vous scotcher. Moi, ça m'a scotché. Bon, vous allez vous dire, il y a beaucoup de livres qui me scotchent, mais celui-là, il m'a vraiment, vraiment, vraiment terrassé. C'est le terme, il m'a terrassé. Allez, je vous laisse, j'arrête mes conneries. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir à tout le monde. Un bisou. Portez-vous bien et à bientôt. Ciao!